Mais sur une table, des instruments, une doublette. Petit Léo, gâche pas ta vie. Et ça pour moi, je t'en supplie. Pour cet argent, pour cette scène de viande. Dans la rue Saint-Stache, joue la cimétrica. Mais il joue tellement mal que même les sourds en parlent. Les voisins excédés par tant de bonne volonté. Un jour furent obligés de chasser le quartier. Puis un jour dans les bistrots, il se passait rien de très nouveau. On a plus les dents, les journaux, on a trouvé sous un camion le corps d'un pauvre vagabond. Les bras sciés et un haché, c'est un mystère. Je le vois encore de nos jours, on entend ce refrain. Il faut mettre ça pour un jour. Un musicien, c'est sans doute du reste, cherchant un air nouveau, a écrit pour orchestre et une mandolée. Bravo pour les hurlements de Léo. Les hurlements de Léo. Avec un public séduit par le texte et par la musique. Qui est parfaitement installé avec un soutien lombaire. Un support de soutien lombaire. Ah oui, c'est les deux grands. Ça va, toi? Elles m'ont pas du tout proposé, c'est bizarre. Non, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, c'est bien quand il y a du public qui passe. Pour les gens qui sont pas très grands, c'est mal installé. Les assises sont trop profondes. Trop profondes, et du coup, les pieds touchent pas.